Donc on est avec Duncan Plays et Mantera pour que j'essaye d'avoir ma pièce, que j'essaye d'avoir depuis bien 20 minutes. Il l'aura jamais sa pièce. Mais si, je l'aurai un jour. Ah, tu sais, hein. Non mais c'est la folie. Hein. C'est la débandade la plus totale. Vous voyez ce véhicule là? Eh ben non. Moi je ne le vois pas. Eh, Duncan, quand même, il roule! Oh que oui! Et mon petit buggy aussi! Ouais! Ah, t'es où? Ouais! Ouais, ouais, ça suit bien! Les arbres aussi, ils suivent bien! Je passe entre deux arbres! C'est ce que j'ai dit! Bonne chance! Il y en a un qui arrive un petit peu vite, je crois. Tout à fait. Putain, ma musique, elle s'est arrêtée en plus. Je fais du deux roues, non, il est complètement cinglé. Ah non, voilà. C'est juste que quand je l'ai enregistré, il devait y avoir un trou. J'ai dû mettre ça sur pause ou un truc comme ça. Pas grave, je suis arrivé. Oui, je suis en train d'être décéléré. Est-ce que je vais l'avoir? Et là, je le vois, je te vois. Je te vois encore. Putain! Merde! On recommence! Seconde prise! Non, cinquième ou sixième là, au moins. Mais oui. Au moins, comme ça, la voiture elle est gradée. Hein. Pilote qui est avec nous. Ah bah t'inquiète pas, hein, sa voiture, sa raid, elle va être upgradée. Hein. Ah bah le buggy aussi, je te le dis. Donc si vous entendez des musiques qui passent à l'infini ou que la musique, il y a des fois vous entendez deux secondes d'une musique et qu'après ça passe à une autre, c'est normal. C'est des musiques enregistrées. Donc j'ai pris seulement les musiques qui me plaisaient. Sur les musiques de DI.FM. Mais j'aurais pu mettre DI.FM tout court. Mais ouais. Vous seriez tapé les pubs. C'est une radio super. Parce que j'ai plus de premium member là. Allez, une pousse enculée. Ah, ça a pas l'air de trop suivre là derrière. Hein. Enfin, il y en a un qui suit de près. Hein. Duncan, lui, il suit bien. Je peux te dire, lui, je vais pas le distancer comme ça. Hein. Merde, oui, il y a une autoroute là. Le mec, ah oui, tiens, une autoroute ici. Ah bon. YOLO. Ben voilà. Mais Duncan, c'est limite s'il arriverait pas sur le point avant moi en fait. Attends, on lui demandait s'il veut prendre faire la caisse. Oui, je suis content. Je suis joie. Et moi, j'ai gagné le badge de la soixantaine, niveau 60. Oui, je peux avoir la Koenigsegg Agera R. C'est-à-dire que cette voiture dans le jeu, si on veut l'acheter. Il me semble qu'elle coûte au moins 700 000 bucks. Et Mantera l'avait vu à 900 000. Et Mantera, lui, il doit... débloquer une Jeep. Donc, il est pas assez... Tout d'un coup, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, on va à la caisse suivante. Qui est une platine, non. Ah, une... sauf que lui, peut-être... Attends, je vais lui demander... Attends, je vais demander à Duncan. Merde. Il est arrivé avec nous, donc au pire. Hey. Tu prends la caisse ou je la prends? Genre le mec il me pousse. Tu vois, genre le mec il me pousse pour me dire hey, prends. Bon. On respecte pas les routes, hein.
Je suis déjà au niveau 60 parce que j'ai eu le badge de la soixantaine. C'est bon, là on peut passer. Pauvre Buggy, il souffre. Hein. Ah, désolé, tout seulement. Et vu que les flics sont pas très très loin derrière, mais ils vont plus rester très longtemps ici. Allez hop, ça dégage. Commence à avoir plus de puissance le Buggy. Ça fait plaisir ça. Oui, là j'ai mis de la musique plus tranquille. Pas comme dans l'épisode de. L'autre épisode de The Crew où j'ai mis du Initial D à fond. Mais là non, j'avais pas envie. Vu que ça sera juste peut-être un épisode d'une demi-heure, 40 minutes peut-être. On verra. Ça se trouve, ça fera peut-être 2 heures et puis je le découperai en plusieurs parties. Bah, si ça fait 2 heures, ça fait 2 heures. Hein. Ça fait. Ça sera coupé et ça sera marqué The Crew partie 1 et sur la deuxième partie The Crew partie 2. Où il y aura peut-être marqué un titre ou quelque chose comme ça, mais voilà. Ah, faut qu'on coupe. Il nous suit ? Ah, c'est Mantera là qui suit pas. Mantera là, il était décontenancé, il s'est fait prendre au dépourvu. Hein. Mais le B sauve tout. Le B sauve tout. Oui, le B magique. Oh, j'aime pas les arbres à travers les arbres. Oh, c'est suicide. J'adore me prendre les armes. B, hop. Moi ça va, je m'en suis pris aucun. À chaque fois je les esquive. Ah, bah voilà. Il fallait que je le dise pour que je me fasse punir par le jeu. Le jeu, il a dit non. Il a envie de faire des rois avant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi aller par là? L'objectif il est en face. Tout à fait. Bon. Il est de l'autre côté, donc je préfère mieux prendre la route, histoire de pas me faire avoir par l'eau. On sait jamais. Par contre, une fois qu'on est revenu ici, hein, voilà. On coupe. Par contre, il y a de la flotte, il est de l'autre côté de l'eau, donc on va devoir aller prendre le pont. Il y a l'eau là. Hop, j'ai passé par-dessus. Il est où ce pont? Il est par là. Allez, parce que là, le petit. Le petit fleuve, je sais pas si on peut le passer en voiture. Donc, trop grand. Je préfère prendre le pont, vu que le trajet me dit de passer par le pont, c'est que ça doit pas être très faisable. Bah vas-y, tente. Des bisous. On a un autre pont à passer. Oh, on passe des ponts. Merde, putain, je me suis pris le machin. Moi aussi. Avec... Par contre, je me prends les machins d'arrosage là de plantes et tout. Je me prends tout. Les arbres. Absolument tout. Ah, je connais pas machin. Ouais, les barrages sont prêts. Non, j'ai pas envie de passer là-bas par contre. Hein. Non, non, non. Boum! Dans ta face.
Il est mort. Ça c'est clair. Autant prendre la grande voie et tourner ensuite. Putain. C'était là peut-être, ouais c'était là. Allez hop. Les rails. Ça suit derrière ? Ça a l'air de suivre. Ça suit. Oh putain le choc, je m'y attendais pas là. On y est presque en plus. Ça serait dommage de perdre ici. Tout à fait. Quoi? Ce chemin là? Mais non, on peut passer dans le bâtiment. Pourquoi se priver? Merde. Par contre le poteau lui on passe pas à travers lui hein. Non non non. Tous les ennemis se font anéantir. Les ennemis ah bah, étant clair. Les flics. Oum. Faut qu'on passe par là. Par ici. Par ici, par ici, par ici. Entendu. Oum. Les deux qui s'arrêtent pas. Oui, là. Yes, yes. De merde! Attends. Je vais demander à... Freeride, mon crew. Bon. On y va. Ça partait! Je n'ai absolument aucune idée de comment on dit ce mot-là en anglais. Merde, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Avec les raids, il y a toujours les solutions. Bah, tu fais demi-tour. Petit nettoyage des roues. Il nous échappe sans trace. Bien compris. Gardez-le en visuel et attendez les instructions. Attends. En plus, je suis en train de chercher comment ça se dit, peut-être fragment. Mais fragment, ça ferait genre comme fragment. Bien. Allez, pas dans ce trou! Ils ont dans ce trou aussi. Putain, mais les mecs. Les mecs. Les mecs, j'ai un endroit, ils y vont. Les mecs, il y a une technique de mouton. Il va là-bas, c'est que ça doit être là. C'est que ça doit être là-bas. Hein. Voilà. C'est sûr. Oui, sûr. Je bouge plus. Et c'est sûr que c'est là-bas. Dégage de là! Il y en a un qui a plus l'air de suivre là. Mais si, un gars, je suis là. Je vous bloque la route. Putain de civil! Attends, on m'a dit que je pouvais passer ici. On est en course, centrale, je répète, on est en course. Entendu. On m'a essayé de dialoguer, de juste poser une question. Ça va être simple. Une simple question.
Enfin, ça va être deux questions, mais deux questions par rapport à une seule vraie question. Ça se trouve, en fait, le mec qui s'appelle Duncan Plays, ça se trouve, le mec, il a une chaîne YouTube, il est streamer sur Twitch, tu vois. Ah, des fois, ça peut arriver. Ça hein. Se trouve. Ça peut arriver complètement. Parce qu'il a pas un pseudo... c'est pas un pseudo de merde. Comprenez que dans pseudo de merde, je comprends les pseudos. Les pseudos en mode XXX le destroyer du 49. J'ai une moto à gagner maintenant. La Indiana Jeff Dirk. Ouais. Ce que moi je n'aurais pas à gagner. Il a changé de bagnole. C'est dit celle-là elle est trop haute. T'as eu le fragment? Non. Quel? Je vais juste essayer de lui poser une question. Poser des questions. Attends. Non. Il est là? Peut-être qu'après. Attends. Attends, mais la dernière fois, il fallait aller dans l'autre sens, si vous vous rappelez. Je pourrais tellement refaire le truc d'aller jusqu'au fond en face et voir s'ils me suivent. Si vous me suivez. On te suit. Ah, donc ils me suivent. Ah, mais... Vous avez pas été dans le trou quand même. Presque. Parce que ça glissait. Chef. Non, mais... J'ai glissé, chef. Non, tu me doubles pas, toi. Le mur. C'est plus rapide. Il est arrivé, mais genre... Mais ce mec, mais comment il contrôle sa voiture derrière, là? Mais ce Duncan, mais il contrôle sa voiture, mais c'est un truc de ouf. Le mur. Ça, c'était un mur. Quand même la Koenigsegg. Après je ferai peut-être un accéléré histoire de d'accélérer la chose. Maintenant moi je suis parti pour avoir la moto.
Je pense qu'on ira faire après celle-là, on ira faire quand même une autre caisse, histoire de pas rester tout le temps sur les mêmes caisses. Ça fait un mélange de buggy. En vrai, ça fait le... Attends, je vais le laisser la prendre. Voilà. Je voulais le laisser la prendre. Tu sais, gars, il va falloir faire demi-tour. Voilà. Comme nous. Le mec s'est pris le mur, voilà. D'autres questions? Non merci. Dégagez les flics. Comme ça, c'est pas tellement bon des fois. Là, il ne nous fait pas passer par le même chemin. Non. Bon. Mais ça nous fait arriver au même endroit, au final. Et puis moi, je suis arrivé dans un décor de fou. Ça, c'est clair. Le point B, bah, la touche B m'a trahi. Ma moto, la Indiana que je devrais déjà, hein, la Indiana que je devrais avoir gagné dans un chrono de. Faut peut-être qu'on peut voir réellement que les caisses. Bah, c'est par défaut, je suis d'accord, mais. C'est ça. Allez hop. Une petite caisse hors asphalte 29. Bah. Dero. Oui. On est devant la caisse. Bah oui, mais je suis passé à la caisse hors. Oui, mais peut-être que lui, il l'a pas eu. Ah, d'accord. Bah, vas-y, lance. Normalement, ça devrait me rapatrier. Ouah, Georges, ça m'a même pas rapatrié dans le truc. Attends, je vais voir si je la prends. Voilà.
Heck. Je me suis fait bloquer par un grillage. Moi je me suis fait bloquer par un genre de tonneau, un truc bizarre. Oula, c'est le bordel. Il est visé. Ah. C'est qui a la caisse au passage? C'est moi. D'accord. Et je tombe toujours trop tôt. Ah non, là c'est pas grave, on est trop tôt. T'as pris le deuxième, mais c'est pas mal non plus. Hein. La soixantaine, badge déverrouillé. Ah bah enfin, tu l'as. Niveau maximum. Bon bah, on est au niveau maximum. Putain, je l'ai pas non plus. On recommence. Ça, ces passages-là seront sûrement accélérés quand même. Parce que bon, faire à fond tout le temps, ça va peut-être vous faire chier à un moment. C'est du farming en vrai. Hein. Avoir les voitures gratos, c'est mieux. Alors, c'est qui la prend? Je laisse la prendre, moi. Ok. J'ai regardé pour voir sa réaction. Voir savoir s'il voulait la prendre ou pas. Ça vole. Mais putain, j'étais bloqué là. Eh, j'étais bloqué. Genre, je pouvais pas bouger mes roues. Genre, le mec, il m'a bloqué. Ça va pas se passer comme ça. Je vais peut-être réparer déjà ma voiture un petit peu. Ok. Réparation, zéro. Il veut la prendre? Vas-y. Musique, si vous arrivez à l'entendre par-dessus le bruit des moteurs, le bruit
des moteurs, des sirènes de flics et de nos voix, parce que c'est juste pour avoir un son sonore. Eh bien, c'est une musique qu'il y a dans un jeu super bien que Frozen Crystal a fait. Je ne connais absolument plus le nom, j'en suis désolé. Je le noterai sûrement quelque part. Mais c'est un jeu très bien, mais je pense pas le faire. Parce que sur ce style de jeu-là, j'ai tendance à m'énerver un petit peu trop vite. Parce que je ne réfléchis pas énormément. Après, je pourrais, hein, mais... C'est juste que j'aime bien la facilité. Voilà. La facilité, c'est plutôt pratique en plus. Tout à fait. Mais peut-être, voilà, j'ai retrouvé le nom. Le nom du jeu, c'est Fury. Ah oui, c'est super jeu là. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas quelle idée m'est venue en tête pour me rappeler ce nom de jeu, mais voilà. Je préfère mieux pas savoir. C'est vrai qu'il me plaît aussi ce jeu. Après, peut-être que je le ferai. Hein. Peut-être que je le ferai, on y en jouait un petit peu avant. Peut-être que je le ferai live ou pas, on verra. Live, vidéo, je sais pas. Hein. On verra bien. Mais peut-être que je le ferai. Parce que j'ai vu Frozen Crystal le faire. J'ai trouvé plutôt bien le jeu. Donc, au pire, hein, on pourra toujours essayer de le faire. Et la musique que vous entendez, du coup, c'est la musique du cinquième boss, il me semble. Parce qu'il y a le premier, c'est notre gardien de cellule. Le deuxième, c'est un mec qui contrôle le temps. Le troisième, c'est un mec dans de la flotte qui nous prend pour son créateur. Ouais, non, le quatrième, justement, le quatrième, c'est le gars à l'épée. Un paladin, somme toute un paladin. Et donc ce que je disais, parce qu'en fait je sais pas pourquoi je me suis arrêté, mais je me suis arrêté. Et du coup, parlons, on va passer. B. Et du coup, le quatrième, c'est un paladin en quelque sorte. Et c'est le mec qui nous a foutu en prison, ce qui paraîtrait. Et de ce fait là, ce gars est pas si spécial que ça. Mais la cinquième, du coup, c'est elle. C'est celle qui a la musique. Et qui ressemble étrangement à un perso de Overwatch. Le perso ange ou merci en anglais. Il est un poussé l'autre. Ouais. Bah c'est plus mûr. Hein. Eh. Et je vais pousse quoi. Ça va pas se passer comme ça, hein. Lui en face, il va payer pour tous les autres. Mais non, il devait payer pour tous les autres. Il payera pas. Voilà. Désolé, j'avais pas vu qu'il avait tourné ici. D'habitude, ça tourne plus tard.
On dégage. Allez, je l'ai là, le fragment. Putain, je l'ai toujours pas. Et ma voiture est à 1299. C'est-à-dire qu'elle commence à roxer un petit peu. Hein. Là, ah, le buggy même... monte. Hein. Presque à 1000, le buggy. Il est reparti. Justement, j'attends qu'il parte. Et s'il part pas, ça veut dire qu'il a la pièce. Il est parti à 3 km.